Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un top 5 pour FIFA 18. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien commencer? Donc, tout de suite le numéro 1. Ouvrir l'appli web tous les jours pour obtenir vos récompenses quotidiennes que vous aurez, soit des petits packs, soit des crédits. Très très important de faire ça tous les jours. Ça vous prend 5 minutes et franchement, c'est pas mal. Deuxième chose, si vous obtenez des gros joueurs dans ces apps, dans ces cadeaux, gardez-les. Leurs prix vont monter au fur et à mesure de fut jusqu'à environ novembre, début novembre, ils seront au maximum. Donc faites ça, vous serez tranquille. La troisième chose, une fois le jeu débloqué, il y a une nouveauté sur FIFA 18. Enfin, le jeu disponible, il y a une nouveauté sur FIFA 18, c'est il y aura des tâches quotidiennes à faire pour soit gagner des crédits, des joueurs, etc. Donc faites ça, vous verrez, vous serez tranquille. La quatrième chose à faire pour ce FIFA 18, c'est dans le catalogue, débloquer tout ce qui est crédit match. Faites des matchs hors ligne ou en ligne, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille de faire quelques matchs hors ligne pour vous faire la main sur le jeu. Numéro 5, la dernière chose, dans le catalogue aussi, il y a des maillots. Et ces maillots, vous les mettez en vente rapide, ils vous rapportent une trentaine de crédits. Vous faites ça sur tous les maillots, vous aurez une petite base pour commencer votre achat-revente sans vous prendre la tête. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Moi je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, ciao ciao.